Les étudiants de l'IUP Tourisme de l'IAE ont organisé du 31 mars au 6 avril 2016 la Fête du Tourisme, un colloque universitaire sur le thème Réunion Terre d'Inde. Le Festival du Éclipse de la Réunion ainsi qu'une soirée de gala de l'IUP Tourisme ont eu lieu sur le site de l'IAE. Danse indienne, tombola, stand de henné et exposition de photos étaient au menu. L'objet de l'IAE, c'est d'être un acteur incontournable de la vie économique, sociale, culturelle de la Réunion. Chaque fois qu'il y a motif à créer un événement, l'IAE doit être présent. La fête du tourisme, ça fait partie des fondamentaux, avec un thème chaque année particulièrement vendeur et excitant. Et en faisant vivre ces thèmes chaque année, nous contribuons à faire connaître la Réunion et à rendre fiers les Réunionnais eux-mêmes de leur territoire. Et c'est quand même une responsabilité, et nous faisons le maximum pour que cette responsabilité qui nous échoit soit tenue, et qu'on parle de la Réunion, on parle des jeunes de la Réunion, on parle de nos formations, de nos possibilités, de nos atouts, de nos réussites, de notre développement d'une façon générale. Ma spécialité, je suis référent handicap au CCS du Tampon. Et c'est vrai que le handicap, pour moi, c'est mon dada. C'est la vie. Je suis devenu PMR, personne à mobilité réduite. Ça fait déjà 23 ans. Et aujourd'hui, je vais intervenir à l'IAE en tant que sur l'ergonomie, l'accessibilité, le handicap et le label touriste handicap. L'IAE, tout est accessible. C'est juste le rez-de-jardin qui n'est pas accessible. Mais sinon, après, l'IAE est accessible. Elle a son ascenseur. Elle a le parking, elle a tout. C'est vrai que comme c'est un bâtiment aussi qui est bâtiment de France, on ne peut pas toucher à la façade. Il y a quelques modifications qu'on va faire, et c'est vrai que c'est un cours que je vais donner à mes élèves pour pouvoir aussi ramener l'accessibilité au rez-de-jardin. L'IAE veut s'inscrire, bien entendu, comme un producteur de formation pour l'économie réunionnaise, les cadres de la Réunion, mais aussi comme un fournisseur de solutions en ingénierie et en management. De ce point de vue, ce colloque visait à démontrer que dans l'expertise touristique, l'IAE répond présent. Nous savons que la stratégie touristique de l'île se gagnera parce que nous serons capables de fournir des hôtels, des chambres d'hôtel et de l'encadrement, mais aussi parce que nous serons capables de fournir de la recherche et développement en matière de stratégie touristique. Et de ce point de vue, l'IAE est un des chaînons de cette chaîne de valeur de la compétitivité touristique de l'île de la Réunion. Mais effectivement, chaque année, c'est la fête du tourisme ici au sein de l'IAE, organisée par l'IUP Tourisme. C'est un mandat qui nous est donné par la région et l'IRT pour organiser des festivités autour de thèmes qui sont nos thèmes de recherche. Et chaque année, nos colloques de recherche s'organisent autour d'une action propre à un cycle qui est quinquennal. On a eu un premier cycle de 5 ans, on a travaillé sur le tourisme de fête, parce qu'il n'y a pas de destination économique qui ait une fête réussie qui ne marche pas. Et depuis l'année dernière, on a démarré un cycle sur le tourisme de mémoire. Réunion Terre de Chine l'année dernière, Réunion Terre d'Inde cette année, Terre d'Afrique l'année prochaine, Terre de France l'année d'après, et Terre créole pour conclure dans 3 ans.